Hello tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter notre book haul de la semaine. Donc, notre book haul est assez grand avec beaucoup de réceptions. Je suis hyper contente parce que du coup, je vais pouvoir vous faire d'autres vidéos et vous allez pouvoir découvrir d'autres livres. Donc, je commence tout de suite avec les éditions Kiman qui nous envoyaient beaucoup de livres. Donc, ils nous envoyaient Drôle de Dino. Donc, c'est... vous avez un bout du dino et puis vous pouvez mélanger les dinosaures. Donc c'est un livre en carton. 1, 2, 3, partez. Qui va gagner la grande course des animaux? Donc avec des volets en carton. Je t'aime de tout mon cœur avec des animaux en relief. Dans la collection Petit et Grand, ils nous ont envoyé deux livres. Donc, Agatha Christie de Elisa Monceau et Maria Isabelle Sauget-Fegara et Maria Montessori, donc toujours du même auteur et illustrateur. Donc c'est des collections que j'aime beaucoup et que qui vont, je pense, arriver bientôt dans une nouvelle vidéo. Cache-cache monstrueux, donc de Agnès Baruzzi. Donc on a reçu un autre livre donc il y a assez longtemps, donc je vous mettrai le lien de notre chronique en barre d'infos. Donc c'est avec des animaux qu'on semble, donc là il y a un aquarium et quand on tourne on voit un monstre. Valentin l'ours qui en était sûr et certain de Jacob Grant, donc là aussi la chronique sera en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour Matisse, crée ton T-Rex en 3D et le point fort de cette construction qui est 100% recyclable. Donc voilà, Matisse va s'amuser, en plus il y a un petit explicatif sur les dinosaures. Donc c'est tout pour les éditions Kiman. Les éditions Plomb ont envoyé à ma mère un livre, ça s'appelle La seconde vie de Rachel Baker de Lucie Brémaud. Donc... un livre adulte du coup. Langocha nous a envoyé L'imagier des signes, mes premiers mots et mes émotions de Isabelle Jacquier. Donc c'est des livres en carton avec un petit explicatif là, le bébé qui fait le signe et du coup le mot que ça signifie. Et vu qu'avec Alexis on signe, donc toute la famille signe avec Alexis, ça permet de découvrir des nouveaux mots et d'enrichir notre vocabulaire pour les mots, je sais pas comment ça se dit quand on signe, je rechercherai. Et l'édition de Nobinobi à la base nous a envoyé 3 mangas, il y en a un que je peux pas vous montrer parce qu'il n'est pas encore paru, mais si vous voulez voir mon avis, donc abonnez-vous sur la chaîne parce que vu que c'est un manga, il passera sur la chaîne et je pense que beaucoup de filles vont aimer, mais aussi des garçons peuvent aimer. Je ne l'ai pas encore lu, je ne sais pas trop de quoi ça parle, donc je ne peux pas trop vous dire. Mais on a reçu donc les classiques en manga Hamlet d'après l'œuvre de William Shakespeare. Donc franchement, je trouve la couverture vraiment belle et comme d'habitude, il y a des images en couleur. Donc j'ai hâte de le lire même s'il est assez gros, j'espère qu'il va être vraiment vraiment bien. Et j'ai aussi reçu 5 cm par seconde, le tome 1 de Makoto Shinkai et Yuiko Shake. Donc, ça c'est Nobinobi, l'éditeur, et là c'est Pika. Donc deux mangas qui a l'air vraiment bien, donc je ferai une vidéo sur la chaîne. Et on a acheté, du coup, vu qu'on est le début du mois de février, on a acheté des magazines. Moi, je ne suis pas allée encore acheter mon magazine. J'irai sûrement cet après-midi. Quand ça sera cet après-midi, ça sera hier. Mais j'irai sûrement donc, dans le week-end. Et du coup, vous le verrez pour le book haul de la semaine prochaine. Donc, pour Alexis, on a pris Poppy, petit ours brun, aime l'hiver, à la découverte de la neige. Donc c'est vraiment une collection qu'il aime beaucoup et qui ressort souvent. Et avec, il y avait une petite figurine de petit ours brun, donc avec sa petite luge. Matisse a pris
Kembo Mag, le numéro 4. Donc des choses de Pokémon, mais à ce que j'en ai entendu parler, donc quand Mathis m'en a parlé, il n'y a pas que des Pokémon, il y a aussi des livres, des jeux vidéo. Et donc il a reçu 1, 2, 3, 4, 5, 5 petits paquets de cartes Pokémon, donc il est hyper content. On a aussi acheté sur Vinted Dinosaur en action, donc Jérôme Stilton en BD, et on a sauvé les Jeux Olympiques, donc tous deux publiés chez les éditions Glénat. Et chez Action, on a acheté Léon le Lion, donc une collection que Alexis aime beaucoup, surtout c'est en carton, donc il peut les manipuler tout seul. Et aussi, donc je voulais faire un énorme merci à la librairie Jofac, donc qui se situe à Toussy, qui m'a offert Killing November de Adriana Maser, publié chez Edition Pocket Jeunesse. J'ai fait mon stage là-bas et c'était vraiment hyper bien. Et du coup, ils m'ont offert un roman. Et franchement, je suis hyper contente. Et ils étaient très sympas de m'offrir ce livre. Ils n'étaient pas obligés. Et donc voilà, je les remercie sincèrement. Je trouve que c'est la moindre des choses de le faire déjà en physique. Et puis de montrer quand on présente un livre, de remercier. Donc voilà, si vous passez sur Toussy, n'hésite pas à faire un petit tour dans leur librairie parce que ils sont très accueillants et très gentils. Donc voilà, c'est terminé pour le book haul. Donc n'hésitez pas à aller voir nos chroniques, notre Instagram, notre blog, notre Facebook, notre Twitter, notre Vinted. Donc là où on est partout, vous pouvez nous suivre, laisser un petit message. Donc voilà, n'hésite pas à liker, à partager. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.